Hey, salut à tous, c'est Galax, et bienvenue aujourd'hui sur The Last of Us Part 1. Très content de vous retrouver toujours sur PS5 pour la suite de notre incroyable aventure. Nous sommes maintenant en hiver, avec Ellie pour la toute première fois. Et nous devons chasser le cerf. Bouge pas. Qui n'a rien demandé, mais enfin bon, il faut bien se nourrir, hein, survivre dans ce froid glacial. On va y aller en douceur, et alors, pour ce qui est de Joël, qui a été gravement blessé, souvenez-vous, on ne sait pas encore s'il a succombé à ses blessures ou s'il est toujours vivant. Attention aux branches, hein. Il me semble que les branches, si on marche dessus, forcément, ça fait du bruit. L'animal va avoir peur et partir. On va devoir l'atteindre tout en douceur. On y va aussi doucement que pour les claqueurs. D'ailleurs, en parlant des claqueurs, c'est vrai que la séquence d'hier, souvenez-vous qu'on a eu avec également le gros colosse, je l'ai un peu mal géré, c'est vrai, parce qu'on aurait pu s'enfuir directement sans user de munitions, ça aurait été relativement plus intéressant. Attention, c'est un petit peu bas comme tir, mais c'est bon. On l'a touché, alors il me semble que peu importe, hein, si on touche à la tête ou en plein milieu, hein, c'est pas un problème. Ok, il saigne, du coup, on va le suivre. Il va nous mener à la suite de l'aventure. Mais on y va doucement, hein, parce qu'effectivement, on doit le toucher plusieurs fois. On suit le sang, bien sûr. C'est assez clair, hein, sur la neige. On risque pas de se tromper. Et c'est vrai, tu vois qu'il y a plusieurs manières, effectivement, de faire dans le jeu. Hein. La séquence qu'on a faite hier, qui était assez compliquée, avec le colosse et les claqueurs, ça aurait été bien mieux de les esquiver. Comme ce que j'avais fait, souvenez-vous, hein, avec le coup du générateur dans l'hôtel. C'était vraiment... le top, quoi. Attends, je m'avance un peu plus. Bah, il souffre, hein, le pauvre. Allez, vise bien. Je bande mon arc. Maintenant. Touché. Ok, bien vu, barbu. Il est rapide. Oh, mais je l'ai eu. C'est bon. Allez, on va avancer. Alors, on peut courir, mais effectivement, pas trop, parce qu'après, il va nous entendre. Même si on marche pas sur les branches. Parce qu'en plus, c'est quel speed, hein. Ah, je sais pas où il est, mais il me semble qu'il est plus loin, après, hein. Là, pour l'instant, je peux run. Calme-toi, calme ta joie. Je sais bien que t'as pas encore fait ton footing ce matin, mais enfin. Il est pas là, il est plus loin. Je suis le sang. Petite phase tranquille de chasse pour commencer. Ça détend, ça fait du bien. Avant de retrouver les infectés, bien sûr. Les affreux. Ah, j'allais dire, il n'y a plus de sang, mais si ça continue par là. C'est une phase un petit peu lente. Et pour l'instant, Ellie, elle a qu'un arc. Hein. On n'a pas d'autres armes. T'as mis les parties vachement loin, lui. Sans déconner. Petit, petit, petit. C'est tellement calme. Tellement reposant. Je pourrais faire un petit somme, là. Ne marche pas sur les branches. Il y en a un peu de partout. Où est-ce qu'il s'est arrêté? Je prends un petit peu large, hein, pour avoir une meilleure vision. Je le vois toujours pas. Étrange. En théorie, c'est la règle des trois, hein, faut le toucher éventuellement trois fois. Mais là, je le vois pas, c'est relou. Est-ce que tu es par là? Non. Ouais, faut remonter, je crois. Ah d'accord, il est parti de ce côté. Astuce. Eh ouais, mais attends, je peux pas deviner, hein. D'accord, c'est par là-bas. Eh bien, allons-y. C'est bon, le jeu, j'ai compris. Pas la peine de me réafficher. Hein. L'astuce, 300 fois. T'es encore vivant. Ah zut. Je crois bien qu'il m'a entendu, hein. Ça, c'est con. Bah, allez, je passe par-dessus. Je t'aurai. J'ai faim. Et quand on a faim, on est prêt à tout. Oula, il y a une tour en face. Des maisons. Serait-ce habité? Le doute m'habite. Bon, j'avance. C'est quoi cet endroit? Oh la vache. Il saigne de fou, hein. Alors, regarde bien s'il n'y a pas des ressources. Tout va bien, t'inquiète pas.
Super ciseaux, ça y est, ça commence, le loot. Ça m'avait presque manqué. Ah, yes. Génial. Une petite BD pour Ellie. Elle adore ça. Explosif, alors attends, est-ce que je peux craft maintenant? Ouais, je peux craft. Cocktail, donc bombe. Les fumis que je n'utilise jamais. Et on a quelques petits objets, des photos, etc. Pas super intéressant. Alors attends, du coup, ça me donne envie là, de fouiller un petit peu en arrière. Est-ce que ça se trouve, il y a des choses maintenant que la zone de fouille commence, si je puis dire. Bon, le cerf, on s'en occupera après. Hein. D'abord, je regarde un peu partout. Mon envie de loot est revenue. Ok, là, j'ai déjà fouillé. J'enchaîne, je vais aller partout. Je rappelle que, bien sûr, je joue comme bon me semble, que ça ne plaise ou pas. Moi, j'ai envie de fouiller chaque centimètre carré, je le fais. Et on m'a dit encore que j'avais loupé des salles secrètes et tout. Le voilà. Qui est là? Montrez-vous! Salut. On veut juste te parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux. Pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants, et on a tous très faim. Eh bien, on pourrait peut-être t'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut? On a des armes, des munitions, des vêtements... Des médicaments. Vous avez des antibiotiques? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre... Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe... Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être long. Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Mais comment tu t'appelles? Pourquoi? Écoute, je sais que c'est pas facile de faire confiance à des étrangers. Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. Une autre arme? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. On doit absolument les empêcher d'entrer. Espérons qu'ils ne le trouvent pas. Alors, est-ce qu'on peut boucher les issues éventuellement un peu plus, non? Ok. Ok. Ils viennent d'où? Ok, de ce côté je vois rien. Ici par contre il y a du monde, hein. Allez go! Essaye de bien miser, par contre j'ai pas envie de gâcher les munitions, ce serait un peu dommage. Ok, one shot. Laissez ça tranquille.
Ça va rentrer, ça va rentrer. Ok. Elle a un couteau. Aide-moi. Au couteau. Ah oui, je me souviens que Ellie, c'était vachement bien contre les claqueurs aussi. Putain, par contre, la vache, bon Dieu, quoi. C'est tendu, hein. Allez, couteau, bien joué. C'est incroyable. Allez, plante-les. Attends, munitions de fusil. En fait, fallait rester à distance, finalement. Oh, merde. C'est fini, oui. Tu plaisantais pas. T'es bien plus doué que moi avec ce truc. Donne-moi un coup de main. Bah, pour le coup, pas tellement. J'ai fait un peu nawak. Bon, c'est bon, y a pas eu de claqueur, hein. Donc ça peut aller. Allez, je t'aide. On pousse. J'ai perdu beaucoup de vie. Oh merde. Ok. Ah mais c'est pas bon, hein. Faut pas y aller, hein. Avec Ellie, elle est trop faible. Faut viser effectivement au fusil. Dégage. Mort. C'est peut-être vous qu'ils ont suivi. J'ai pas de soins, moi. Non, j'ai pas de soins. On est très mal barré. Attends, laisse-moi fouiller. Il y aurait pas du soin. Bah tiens, nickel. Ok, attends, bouge pas. Je déglingue. Bien joué. Tu l'as eu. Pousse-toi. Je tue. Oh, ça avait mal commencé. Ok, ça enchaîne. Oh là 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 là, mais que veux-tu faire, là? Mort. Une balle à mort, j'ai l'impression, hein. Ça, c'est pas mal. Ça vient d'où, après? De là, faut arrêter de se poser des questions, en vrai. T'es mort. Allez, maintenant, on se remet. À bien gérer, s'il vous plaît. Tant qu'à faire. Vas-y, vite, recharge, ça met 50 ans. En pleine tête, joli. Putain, le temps de recharge, c'est horrible. Et en plus, attention. Non. Oh la vache. Pousse-toi, vieux. J'ai plus de mun. Comment on fait? Ok, j'en récupère. Waouh. J'ai récupéré. Prends le temps de recharger. Oh la vache, comment je tourne autour, c'est incroyable. Couvre-moi, mec. Le temps que je vise. Oh là là, c'est bien joué, ça. Waouh. Je suis à court. C'est incroyable. Et t'as vu comment j'ai tourné? Volontiers. On se tire. J'ai récupéré un kit de soins. Vas-y, je vais les retenir. Surveille l'escalier. Ah bah super. T'es mort, vieux. Laisse-moi fouiller un petit peu, hein. Que dalle. Recharge bien ton arme dès que tu peux. Du soin qui fait plaisir. Ah non, j'ai pas récupéré le kit. Ah, ou alors tu l'as déjà utilisé? Vous allez? J'ai jamais mis les pieds ici. Super. Attends, quelques petites ressources. Eh bien, bon, prends pas de gilet jaune, hein. C'est pas comme si on te voyait déjà bien trop. Voyons voir à droite, à gauche, est-ce que je peux confectionner un truc? Pour l'instant, non, ce serait bien que je fasse un kit de soins, hein. Parce que là, pour le coup, j'en ai zéro, ça me change beaucoup, effectivement, du des phases avec Joël. Où j'avais vraiment bien trop de ressources. Là, je me suis fait un peu surprendre. Je vous l'accorde. Du coup, vu que t'as plus rien, faut vraiment fouiller. J'ai 3 balles. Heureusement que j'ai mon couteau, hein, mais on reste assez faible au corps à corps. T'éloigne pas. Fais attention. Compte sur moi. Super. Hé, hey, petite, ça va bien? Ça va. Des claqueurs. Sors de là. La vache, en plus j'ai que 3 balles. Oh mon dieu, ils sont 3. Comment je vais faire pour me barrer? Là, faut y aller en douceur. Hein. De ce côté, j'en ai également. Mais n'oublions pas qu'ils ne me voient pas. Hein. Prends la petite brique pour les attirer ailleurs, éventuellement. Ah ouais, il me semble qu'on peut... Donc là, je peux craft un truc. On leur tire la brique dessus avec son couteau. Elle peut directement le tuer, il me semble. Hein. Ok, petit cocktail, je peux pas. La bombe, oui. Donc j'ai du soin, si jamais. Hein. Ça, c'est bien. C'est une séquence vraiment très intéressante parce qu'on réinitialise toute zéro, limite, au niveau des ressources. Hein, par rapport aux phases avec Joël. Ça, c'est très cool. Hein. Alors, attends, toi... Ce qui serait bien, à la limite, je balance la brique directement. Attends, si je le prends par derrière, je pense que c'est pareil. Hein. On va essayer... Quoi? Te retourne pas. Maintenant.
Quoi? Ah, je suis obligé de faire comme ça. Ce qui m'a vu. Putain, je suis arrivé tout doucement pourtant, mais c'est incroyable. Je suis arrivé tout doucement. Ça me rend ouf. Ok, les mecs. Wow. On prend le fusil. Mort. La vache. Wow. Slalom. C'est quoi ça? Ah d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y avait un trou. Ah mais il arrive. Connard. Ok, tiens. Prends ça. Couteau. Ça va, je gère. Ah, je gérais. Je croyais que c'était bien. Je l'ai pas vu arriver par derrière. Oh le connard. C'est pas possible. Ouais, non, faut y aller en douceur. Faut y aller tout en douceur, les amis. Cette phase de jeu, sans rire. Ouais, donc faut descendre, faut pas essayer de les tuer en vrai. Faut passer par le petit trou que t'as là-bas. Bah, ou alors, ouais, si, peut-être qu'il faut les avoir, hein. Essaye de passer par derrière. Il arrive. Je vais voir comment je vais faire. Mais regarde, si j'y vais tout doucement. Voilà, tout doux. Normalement, t'es censé pouvoir l'avoir, non? Ou alors au pire, barre-toi, je vais direct dans le trou. J'avais pas vu lui. Il a entendu quelque chose? Non, c'est bon, on peut se le faire. Ok. Descends! Vite! T'as la brique? T'as la brique. Il devrait venir normalement. Attention parce qu'ils arrivent par derrière aussi. What the? Putain de merde, remonte vite! Mais c'est quoi cette séquence? Je m'en souvenais pas. Oh non! Ça va? Vous êtes là. Allez, la porte est par là. Oh la vache, mais c'est un truc de ouf. Attends, je peux le temps de craft, vieux. C'est incroyable. Tiens, quelques ressources. Comme je galère. Je me fais un kit de soins. Petit cocktail, je peux plus, une bombe, comme on a fait juste avant. Oulala. Putain, mais le bruit des claqueurs, c'est immonde, hein. J'ai mon arc aussi, hein. N'oublions pas. Arc et fusil. Y'a rien sur les corps. D'accord. Ouais, donc faut que je monte, hein. Et comment je vais faire ça, mon ami? Je passe en dessous. Je sais pas comment je vais monter, tu me fais la courte? Non, du coup. Mais éventuellement, en passant par là, ouais, plutôt. Voilà. Hé, hey, venez, soulevez-moi. Façon de parler, hein. Ok, prête. Mm-hmm. Allez. Ouais, sauf que... on n'est pas à l'abri. Même en haut. Est-ce que j'ai encore la brique? Okay, dépêche-toi. Eh bien non. Fais attention aux infectés. Je sais. Super. Je vais fouiller un petit peu de ce côté, hein. Y'a un truc là, non? Non, je croyais. Va falloir bien régler la mire. Attends, est-ce que tu les vois là? Bah ils sont en bas les infectés, c'est bon? En théorie. En théorie ça devrait bien se passer. Et on m'a dit tu verras, tu t'approches du pire moment du jeu. Alors, c'est pas le pire moment. Il est juste en dessous. C'est pas le pire moment, je sais que le pire bah c'est le tunnel hein, en théorie. Mais... celui-là, franchement, il est pas mal, hein, déjà. Ok. Doucement. Salut, mon petit. Alors, si je peux garder la brique, ce sera encore mieux. Donc, vas-y, doucement. Ne te retourne pas, s'il te plaît. Sois cool. C'est toujours un risque, hein, d'y aller comme ça. Mais au moins, je conserve ma brique. Maintenant. Mais non, ça va jamais. J'y crois pas. C'est incroyable. Pourtant, j'y vais en douceur avec le stick. Attends, y'a personne derrière, c'est bon. Attends, y'a une salle. Et éventuellement du loot à l'intérieur. Je me fais vachement surprendre parce qu'en fait, j'y vais tout doucement, tu vois, avec le stick. Pourtant, et non, c'est toujours trop brut. Alors, Travis Christophe. Oh yeah. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me stresse tous ces bruits à côté, là, je te jure. Super. Explosif. Ça, c'est pour les bombes. C'est déjà pas mal, je peux rien craft, hein, pour l'instant. Le cocktail serait bien de s'en faire un. C'est quoi qui me manque? De l'alcool. J'aurais bien besoin d'un petit canon là. Ok. Et voilà. Allez. Attention.
Il me reste 6 balles dans mon chargeur. Je redescends tranquillement. Personne ne vient. D'ailleurs, attends, on peut pas aller là-bas? Ah mais non, je suis bête. Je pouvais y aller déjà avant. Par ici. Ah, c'est vrai que les graphismes font beaucoup plus réalistes que dans la version PS4 Pro. Viens, petite. Je me souviens, mes miniatures étaient plus colorées. Bon, on y va, y'a rien du coup là. Je fonce. Il faut qu'on sorte ici. Je suis bien d'accord. Sans blague. Okay. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je me souviens de cette séquence. C'était encore pire. Attends, 2 secondes. Hein. Laisse-moi bien recharger, parce que là, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il y a là? Rien du tout, dommage. Eh bien, écoute, allons-y. Hein. Il me semble que c'est quand on arrive là que ça part en cacahuète. De l'alcool, super. Je peux me faire un petit cocktail. Je m'en faire un. Un petit kit de soins éventuellement. Non, je peux plus. Est-ce que c'est les mêmes ressources? Des flèches? Oh tiens, j'avais pas récupéré ça. Un peu de tissu. Attends, avant de regarder ça... Merde. On dirait que les derniers à les avoir affrontés ont perdu. Oh non. Je cherchais justement ces garçons. Ah, si on me fournit des bombes... N'importe. Récupère leurs armes. Je vais chercher une sortie. Ah tiens, des cocktails et tout. C'est bien la preuve qu'il va se passer quelque chose. Regarde si tu vois des choses utiles. Attends, mais j'ai un pistolet? Ah oui, j'ai un gun du coup maintenant. Tu vois un truc? C'est un cul-de-sac. Comment ils s'y retrouvaient dans ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait du coup? On les repousse. On n'a pas d'autre choix. Mourir. Je vois. Ça fait un boucan monstrueux. J'ai qu'un seul soin là? J'en ai bien peur. Par contre, j'ai 3 bombes, 3 cocktails. Prépare-toi. D'accord, je me prépare. Mais ils arrivent où? Le problème, c'est qu'il me semble qu'il y en a qui arrivent là-haut. Hein. Attends, ils sont où? Ok. D'accord. Maison 1 là. Maison 1 là-bas. Et prends ton arme. T'es mort. Me touche pas, vieux. J'ai mis une bombe dans le coin, parce qu'il me semble qu'il y a des claqueurs peut-être qui vont débarquer de là-bas. Donc la bombe, elle va servir. Faudrait juste pas qu'elle explose quand... Quand je suis dessus, quoi. Ce serait dommage. Attends, j'en mets une autre par là. Ok, bien joué. Ça explose, très bien. J'ai 3 cocktails, hein. Je peux en confectionner d'autres, des bombes. Allez, amène-toi. T'es mort. Ça vient de là-haut, non? Ouais, ça vient de là. Attends, il passe par le toit? Vous entendez? Sur le toit. Je sais. Ok, t'es mort. Juste regarder un petit peu autour. D'où ça vient? Et imagine qu'à l'époque, on faisait le jeu en 30 FPS, hein. Bon Dieu. Tu vois, tu tires dans les pattes, ça suffit. Incroyable. Ok, ici ça rentre. Ok. Confectionne rapidement. T'as pas le temps! Punaise! Quel con! Esquive! Claqueur! Je cours! Ok, ok, ok. Ça le fait, je gère. Mort. En mouvement, en mouvement! Les cocktails, si on peut les conserver, tant qu'à faire. À ta gauche. À ma gauche? Quelle gauche? Cette gauche. Wouh! Bien joué. Suivant. On s'en sortira, petite. J'en suis pas si sûre. Reste concentré, ça va aller. C'est pas fini, récupère bien les munitions, tant que t'y es, passe partout. J'en ai aucune idée. Allez, confectionne une bombe, s'il te plaît. Une autre. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Ok. Infecté. Merde, j'ai pas vu qu'il était là. Enfoiré. J'aurais pas dû confectionner des bombes. Ça m'a foutu dans la merde, plus qu'autre chose. Merde. Je suis presque mort, les gars. Je suis presque mort. Ah bah non, c'est pas juste. Oh, juste parce que j'ai fait des bombes. Juste parce que j'ai fait des bombes, mais quel con. Mais pourquoi, Galax? Pourquoi? T'étais bien. C'était beau, ce que tu faisais. C'était très beau. Bon, du coup, pas de bombes, hein. Zop B, hein. Oh, les nerfs. On les gérait totalement bien comme ça, quoi. Je te jure. J'ai les nerfs. Vraiment, c'était cool, hein, ce qu'on faisait. Recharge, recharge, vite, vite, vite. Merde, la bombe. C'est moi qui l'ai émise. Connerie sur connerie. Allez, mort, là-haut.
C'est un claqueur en plus. Ouais, tu me regardes. Je me souvenais de cette séquence. Truc de fou. Ça arrive encore, hein. J'entends un claqueur. J'entends un claqueur, il arrive d'où? Ok. J'en ai un là. Je vous rappelle que j'ai l'oreille bouchée. La bonne excuse. J'ai fait gaffe, là-haut. Oh merde! Oh, je l'avais oublié celui-là! Bordel de cul! Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais fouille pas! Je l'avais oublié celui-là, les gars! Ok, je vais pas te garder les cocktails en fait! J'ai trop bien fait! Allez! Allez, viens! Oh! Brûle-le! Courez! Oh! Ok, ok, ok! Ellie! Usain Bolt, hein! Là, faut pas hésiter! Il va me l'envoyer dessus, c'était sûr! Enfoiré, tiens, brûle! Tire dessus, tire dessus! Vas-y! Waouh! Je savais pas qu'il y en avait d'autres! Merci! Tire-toi! Vieux! On est mal, on est mal, on est mal! Reprends le fusil, faudrait que je me soigne, mais j'ai pas le time! Je vais quand même essayer! Soigne-toi! Allez, allez, allez! Couvre-moi, vieux, couvre-moi! Putain, pourquoi je suis la cible principale, c'est terrible! Prends un cocktail, bouge! Cette pression! Allez! Tiens! Salaud! Brûle-le, récupère les balles! Ouah! Faut pas qu'il chope celui-là, sinon t'es foutu! Ok! Waouh! Cette séquence! Hé, hey, Tid! Ouais? Tu sais, je crois qu'on a réussi! On les a tous butés? Tu devrais plutôt être contente. J'ai du mal à y croire. On les a butés, mais non pas sans difficulté, hein. C'était incroyable. Alors le colosse, par contre, je l'avais totalement oublié, celui-là. Je peux crafter une bombe. Il me reste un cocktail. Le kit de soins, il manque de l'alcool. Je vais bien fouiller le reste de la pièce. Par contre, je vais passer au gun un petit peu, parce que c'est vrai, je l'ai pas sorti encore. La bouteille, j'ai déjà une brique, non? Ouais, j'ai une brique, j'aurais pu m'en servir pour le lancer sur les autres, mais c'est vrai que j'étais un peu pris au dépourvu. Très souvent. Eh bien, c'était costaud, hein. Maintenant, où est-ce qu'on va, là-bas? Très bien. Allons-y. Écoute. Pas d'infecté. Pas d'infecté. Qu'est-ce que je disais? Ok. On y retourne. Allons voir notre serre. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois, je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Tu vois, tout arrive pour une raison. Allez, te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser faire. Baisse ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah, ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors.
Je peux te protéger. Non, merci. Tirons-nous d'ici. Joël ? Oh. J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre, j'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Okay. Désolée. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. Allez. Allez. Messieurs, elle est là. Eh, il y avait les traces d'un cheval en bas de la rue. Elle est là. Hé, hein, je la tiens. Ramène ton cul. Qu'est-ce que t'attends? Bute là. Mais David a dit... On s'en bat. Bute là maintenant. Là, attention, esquive. Oui, oui, oui. T'arrêtes pas, Ellie. Gauche-droite. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vas me lâcher, toi? Toi, descends. Voilà. Hors de mon chemin. Ouh. Oh non. Je te défonce. Saute, mon beau. Par ici. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes des barbares. Fracture de la clavicule. Oh merde. Non, merde. Où aller? Allez, on va aller se planquer dans la baraque, là. Allez, cherche pas, cours. Parce qu'ils savent que t'es là, de toute façon. Cours, cours, cours. À l'intérieur. Ok. J'ai mon gun. Ils sont où? Cette séquence est incroyable. Ok. J'ai que 5 balles, hein, de pistolet, c'est pas énorme. Je ne sais pas où ils sont, mais ils vont se rapprocher bientôt, hein, c'est sûr.
vais essayer de fouiller, voir si je peux trouver des choses. Est-ce qu'on peut se cacher sous le lit éventuellement? Non? Ce n'est pas possible. Ok, ça c'est bien. Je peux crafter un soin. Très important. Je peux faire une bombe supplémentaire. Même deux. Ok. Je veux bien. Ça, je pourrais miner le terrain. Tu vois quelqu'un ou pas? Non, pas encore. Qu'est-ce que le jeu est beau. Bouteille, non, j'ai une brique, c'est bien. Il y a des bouteilles partout, si on veut les attirer. On va vraiment la tuer. Merde. Je les entends. C'est pas à lui d'en décider. James m'a dit que c'était la seule des deux. Ils sont où? Combien de nos hommes ont été tués là-bas? Je les vois pas. J'aurais dû augmenter la portée du mode écoute éventuellement. Ah mais je peux pas là. Ok. Attends, je reste sur le gun là, qu'est-ce qu'on a par là? Des tiroirs à ouvrir. Merde. Il y en a un qui est pas loin alors. S'il a failli me voir. Ah mais il débarque du coup, attends, je finirai de fouiller après. Hein. Laisse-moi me planquer ici. Ok, je vais leur coller une bombe, ils vont rien comprendre, tu vas voir. J'ai bien envie, là. Pas m'énerver bien longtemps, ceux-là. Allez, ça dégage. Tu m'as vu? Moi, oui, en tout cas. Je prends le fusil. T'es mort. Ok, j'en ai un plus loin. Je reste bien planqué dans la maison. C'est quoi, ce serait peut-être bien de se déplacer, même. Parce qu'ils savent qu'on est là, maintenant. Allez, viens me voir. C'est quand tu veux, hein. Tu sais que je suis là, mon gars. Tu le sais très bien. Les bombes, je vais quand même les garder pour après. Je pense que je peux le gérer comme ça facilement. Je bouge. Je passe sur le gun. C'est plus rapide, je pense. Ok, il est là. Ah d'accord, ils sont deux. Ah bah là, qu'on sait comme ça... Déployez-vous! Les gars, vous me tentez. Les deux, c'est bon? Je pense. Ok. Faut pas me tendre la perche comme ça! Bon. C'est pas encore safe, hein. Il y aura du monde au fond, c'est sûr. Mais j'ai le temps de fouiller! Alors. Tac, 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 tac. Ciseaux. Il y a du scotch, mais on s'en fiche. Bon, éventuellement pour tout accrocher ensemble. Ça peut servir. C'est pas le moment de faire de l'humour. Il y a plein de maisons, hein. Je vais fouiller partout. C'est pas une maison, ça. Un petit pendentif. Je suis hyper serein. Un pendentif troué. Paul, je ne sais quoi. D'accord. Ça m'en fait un de plus. Et je vais avancer. Gentiment, on va explorer chaque baraque. Vous savez comment ça marche. Le loot, et toujours le loot. D'alcool, super. Ça, c'est bien. Je fais un soin en plus. Comme ça, je suis rassuré, ça me fera deux soins si besoin. Là, pour l'instant, je suis à fond. Il y a également du soin dans cette baraque. Hein. Si jamais, j'ai pas de choix, je reviendrai ici. Parce que la séquence, bien sûr, n'est pas terminée. Et vu le nombre de baraques, ça risque de se déployer. Tu vois des gens? Non, pour l'instant, la portée ne montre rien. Ok, on progresse. La baraque suivante. Je passe par la fenêtre. Elles sont toutes pétées, hein, ça m'arrange. Il y a encore un soin, en fait. Une maison, un soin. C'est pratique, ça. Alors, qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Là, on refait le plein. Les bombes, c'est cool, hein. Disons que les cocktails, c'est plus, je trouve, pour les infecter. Les bombes, c'est vachement bien contre les hommes. Je reste sur mon petit gun. C'est la bonne question, ça. Ah, ils sont là-bas! Je les ai vus! Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que je me montre tout de suite? Sincèrement, je pense pas que ce soit la bonne idée, mais vous le savez, moi, j'aime bien tenter des choses. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Très bien. C'est calard, comme ça j'économise. Pas sur ton fusil, rapidement. Tu sais qu'il est là. T'as pas de lunettes, hein, par contre, c'est pas comme avec Joël.
Attention parce qu'on va pouvoir tout contourner après. C'est un peu risqué. Je bouge. Essaye d'avoir lui. T'es mort. Bien joué. Je vais où ? Toi aussi. Règlement de compte. À ton avis, est-ce qu'il reste du monde ? Pour l'instant, ça se passe bien. On varie bien les armes. Il me reste 5 balles. Et j'ai pas fini de fouiller les baraques encore. Là, on se régale. Je passe de l'autre côté. Comme ça, au moins, je suis sûr que j'ai une bonne vision assez lointaine. Si jamais ça arrive. Là pour l'instant, au mode écoute, j'ai rien. Bon, laisse-moi aller en face. Faudra peut-être passer sur les corps aussi, voir s'ils ont des choses à donner. Lui, c'est un radinos. Du ketchup. Du sang ou du ketchup ? Je dirais plutôt de la sauce tomate, moi. Il y en a sur le comptoir. Je regarde un peu partout, rien d'autre. Ok, je vais voir là-bas, vite fait. Sûrement quelque chose dans le bateau, là. C'est un bateau, on dirait. Rien, nada. Incroyable. Ouais, c'est une séquence qu'on peut faire aussi, bien sûr, en infiltration. De toute façon, toutes les séquences, on peut, si on le souhaite. Tiens, je monte par là. Ouais, attention, parce que peut-être qu'on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Mais je pense qu'il reste... Je pense qu'il reste personne. Les toilettes hommes. C'est pour moi. Doucement. Rien du tout dans les toilettes, comme d'hab. Ah bah si, il y avait une bouteille éventuellement, mais... On s'en fiche. Je passe de l'autre côté, j'ai tout fouillé, hein, c'est bon. Je pense. Allez, j'avance. En tout cas, j'ai ce qu'il faut niveau ressources et tout. On n'est pas trop mal. Attention, attention, il y a un beau soleil. Sentier de découverte. Chemin nature. Bon, ça devrait faire l'affaire. Y a rien par là, non. Eh bien, j'avance. Recyclage. C'est parti. Surtout, tombe pas à l'eau. Tombe pas. Eh oui, c'est vrai qu'elle sait pas nager. Pourquoi tu dis oh merde ? Tu vois quelque chose ? Je vois rien. Ah, c'est sûr que là, si tu tombes dedans, t'es mal, hein. Regardez-moi cette beauté, c'est une carte postale. Oh là là. On redécouvre tous les décors. Il y a eu un bruit, non? Je sais pas s'il n'y a pas eu un bruit. Pour autant, je vois personne. On avance en douceur. Waouh. Ah, et des maisons. Ce qui veut dire... De nouveaux ennemis à l'horizon. C'est sûr. Allez, avance. Dans le trou. Est-ce que j'ai bien chargé toutes les munitions ? Je me suis servi un petit peu de l'arc aussi, je sentais bien. C'est plutôt une bonne tireuse. Ok, bon, on avance, hein, ma grande. Toujours dans le trou. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc par là ? Alors, il y a une poubelle. Est-ce que je peux la tirer ? Bah non, de toute façon, ça va être bloqué. Je pourrais pas faire autrement. C'est bon. Quoi, c'est bon ? Ah, mais non, parce qu'elle devait bloquer effectivement là dans le trou. Je l'ai tiré un tout petit peu, ce qu'il fallait suffisamment. Pour avancer, je pense. L'instinct, les amis. L'instinct. Ou les souvenirs. Sans être conscient, peut-être que ça me disait quelque chose. Par là. Mais comment je fais pour sortir ? Ah ouais, non, non, c'est ici qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, c'était pas avant. Chemin. Observez. Tiens, bon Joël. Tiens, bon Jojo. Ouais. Je reviens vite. Ça va barder, hein. Comme Romain. Pour l'instant, personne. Oula, ils sont où ? Ah ok, en face. Très bien les gars. C'est parti. Mort.
Loupé. Ok, bouge pas, toi. Ah, merde. Relou. Comment ça, vas-y? Mais non. Il arrive. Il me rush, ce con. Ok. Bah attends, on reste au fusil pour le coup, là. Mort. De ce côté. Il est con, lui, un peu. Hein. Voilà. Mais il est tellement puissant, ce fusil. Attends, j'ai l'impression qu'une balle, même si c'est pas dans la tête, c'est bon, quoi. C'est incroyable. Presque plus de balles, par contre. Bien joué. Saloperie, comme tu dis. C'est bien, Maëlie, ça. C'est bien. Il reste plus qu'une balle. Là, par contre, je suis dans le beau drap. Il reste encore du monde. Ça rush. Ouais, je dois arriver par là-bas. Ça tourne, ça tourne. Surtout prévoir, effectivement, d'où ils arrivent. Ok. L'enfoiré. Merde. Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait choper, putain, le premier qui arrive, ça me retire tellement de vie, vas-y, mords-le, voilà, arrache-lui la... Voilà, plante-le. Arrache-lui les couilles. Pardon, je m'emporte un peu, c'est vrai. Un petit soin, Ellie. Dommage, hein, j'avais juste à lui tirer une balle dans la tête et c'était fini, lui. Bon, plus qu'une balle, est-ce que t'as des munitions pour moi, toi? Non. Un petit quad congelé. Ouais. Avançons. Le pistolet, je suis pas convaincu, hein. Je préfère largement le fusil. C'est pour ça que le jeu me file des balles de gun, merci beaucoup. Oh, mais j'aurais tellement pu balancer la brique. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Ben ouais, tu balances la brique et c'est fini. Aïe aïe aïe. Je te jure. Bon, est-ce que tout le monde est mort? Je ne sais pas. Quoique quand on est proche, peut-être le gun mieux, hein. Le fusil, c'est vraiment quand on est loin, je vais essayer de les garder pour de la longue distance, de préférence. Bon, 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 j'ai fait un petit peu le tour. Un nounours. Je peux pas rentrer, c'est barricadé. Ok, le mec, il a des munitions. Le bateau, le bateau, le bateau. Je peux faire le tour, pourquoi, je ne sais pas. Il y a un tronc d'arbre, il n'y a rien sur les caisses. On va voir derrière la baraque s'il y a un truc, éventuellement. Comment je m'échappe d'ici? Alors, il y a une poubelle qu'on pourra peut-être bouger, là, non? Ouais. On peut bouger les poubelles. Une moto des neiges. Bah tu peux éventuellement... Ah oui, passer par le trou. Ça va être ça. Bon, ça a finalement la séquence, c'était pas trop dur, c'était juste dommage que j'ai foiré sur le dernier ennemi qui est venu me rusher. Je veux pas te piéger ici. Ça c'est sûr. Ok, alcool. Je peux craft. Je me refais du soin, pour être sûr. Ah ouais, mais j'aurais pu lui balancer une bombe aussi. Bon, après, on peut pas toujours être parfait, hein. Évidemment. Moi, je fais toujours mon autocritique sur mes gameplays. Alors que d'autres jouent beaucoup moins bien. Et d'autres jouent mieux. Il faut le dire aussi. Pour l'instant, il y a personne. Je vois des ressources juste à côté. Bon, attends, je pense que je peux me mettre debout, là, pour l'instant. C'est pas trop la galère, hein. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh, attends, si je vais carrément en bas. Un tiroir. Yes, c'est bon ça. De la ressource, de la ressource. Pour l'instant, je peux rien craft. Pense à recharger ton arme. C'est mieux de le faire avant le fight. Ok, explosif, ça c'est bien. Fais-toi une petite bombe. Non, je peux pas un petit cocktail alors en plus? Okay. Le gun, ouais, j'ai plus qu'une balle de fusil, par contre j'en ai pas récupéré. Dans cette zone il me file juste des balles de pistolet, c'est un peu dommage. Oh merde, attends, ouf, ils viennent d'où? Ok, ok, retour en arrière, je me suis fait toucher, pas cool. Ah bah si, je m'attendais à ça, tiens. Ok, ils sont là-bas, les saligots. Je vais pas ouvrir la porte, hein. Je reste bien tranquille là. Ça contourne, attends, ça vient où après? Est-ce qu'ils peuvent passer par là-haut, tu penses? Je pense pas, quand même, hein. Ils devraient venir là, a priori. Je regarde où ils vont. J'en sais rien. Je les vois plus. Je ne vois plus personne. Bon, j'avance. Je vais peut-être foirer la séquence.
mais j'avance. C'est fou ça, je les vois plus. Bah zut alors. Elle est pas mal celle-là. Je passe. C'est moi! Les mecs, où êtes-vous? Putain, elle est grande cette maison, hein. Ouais. Ils sont où? Merde. Ok. Super, génial. Les mecs. Cadeau. Allez, deux en un. C'est pas beau ça? Ensuite. Par derrière, non, c'est bon. J'ai l'impression que le mode écoute, il fonctionne pas tellement avec Ellie hein, par rapport à Joël. En plus, avec Jojo, je l'avais amélioré, mais pas à fond non plus, tu vois. Étonnant. Ah, t'as une balle de fusil, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quoi, pour en avoir une seule. Quel enfer. Attention aux fenêtres, hein. Ok, on a bien géré quand même. Les petites bombes, bien pratiques, à utiliser davantage. Attends, avant de sortir. Du soin, super, je suis à 100%. Eh bien voilà. C'est bloqué, non? Évidemment. Allez, pousse! Cette fillette n'a que 14 ans. Oh merde! Tu calmes! Tu es en sécurité! T'en fais pas. T'en fais pas. Oh. Comment tu te sens? Super. Tiens. Faut que tu manges. Je sais que t'as faim. T'es resté longtemps dehors. Qu'est-ce que c'est? Tu sers? Avec de la viande humaine en accompagnement? Non. Non, je te le promets, c'est juste du cerf. Espèce de monstre. Ah. Un peu rapide comme jugement. Quand on sait que toi et ton ami, vous avez tué combien d'hommes? Ils nous ont pas laissé le choix. Et tu crois que nous, on a le choix? C'est ça? Vous tuez pour survivre. Tout comme nous. On doit s'occuper des nôtres, à n'importe quel prix. Et maintenant? Vous allez me découper en petits morceaux aussi? J'aimerais mieux pas. Allez, dis-moi ton nom. Tout ça, c'est des conneries. Au contraire. J'ai été... plutôt honnête avec toi. Maintenant, à ton tour. C'est le seul moyen de convaincre les autres. Les convaincre de quoi? Que tu peux vivre ici. Tu as un cœur. Tu es loyal. Tu es spécial. T'es vraiment stupide. On peut pas dire que tu m'aides à te sauver la vie. Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant? Ellie. Quoi? Dites-leur que...
Ellie et la petite fille qui... vous a pété votre putain de doigt! Comment t'as dit? Hein? En petits morceaux. À demain matin, Ellie. 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 Joël est de retour. On a besoin de toi, mon vieux. Eh bien, écoutez, les amis, c'était incroyable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je me souvenais plus que cette phase était aussi chaude. Et sincèrement, j'ai adoré. C'était tellement tendu. Eh bien, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et ça vous a plu, pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, la suite, bien sûr, demain soir sur la chaîne. On se rapproche de la fin du jeu. Il me semble, de mémoire, que demain, c'est le tunnel de la mort. Vous n'êtes pas prêts. Et moi non plus. Allez, merci à tous et à très vite. Ciao, ciao!